Allô, on a perdu Sibyl. Je suis là, je suis plus là. Coucou les chouchous, bidou, de bidou, de bidou, de bidou. Alors, en fait, je suis allée à plein de magasins, j'ai fait les soldes. Tout d'abord, je suis allée à Maison du Monde. Qu'est-ce que j'ai trouvé à Maison du Monde? Alors, à Maison du Monde, j'ai trouvé ces petites merveilles, comme ceci. Je les ai payées 2,99€. C'est une tuerie. Regardez ça, elles sont super jolies. Elles me sentent... Tu sens, toi? Non, tu ne pues pas. Non, elles ne sentent rien. Voilà, elles sont très belles. J'ai trouvé ce petit porte-carte parce qu'en fait, j'ai acheté ceci aussi en solde. Et je trouve qu'il est très pratique. Sincèrement, il est génial. Je l'ai payé 7€ et des bananes. Il est vraiment super, sauf qu'au niveau des cartes bleues, c'est un problème. Donc du coup, j'ai trouvé cette petite, ce petit porte-carte très chouette, très choupinou. Et bleu nuit avec une petite étoile, je l'ai payé 3€, quelque chose comme ça en solde. Alors, bien sûr, là, ceci, je l'avais acheté déjà l'autre fois. C'est un set de table avec des petits chats, c'est pour ma fille. Et qu'est-ce que j'ai acheté à mon bébé d'amour? Un chapeau? Non. Je suis plus là. Je suis là. Il arrête tes conneries. Il arrête tes conneries. Et voilà, un petit tipi. Eh bien, au lieu de le payer 40€, je l'ai payé 11€. Allez-y, il y en a en ce moment plein. Hein. 11€. Je trouve qu'il est super. Enfin, j'enlève l'étiquette d'ailleurs parce qu'elle va bouffer l'étiquette. Parce que ma fille, elle n'a rien compris, elle bouffe l'étiquette. Mais pour l'instant, elle ne va pas dedans. Elle a juste, j'ai mis des croquettes et du coup, je les ai sur la tête. C'est comme je... Voilà. Ça, j'ai trouvé ceci au marché. 10€. Un joli petit sac. Alors, pareil, j'ai... Regardez, il y a encore du papier dedans. Ah, une anecdote, vous savez ce qui m'est arrivé une fois j'ai acheté, mais je crois que je vous l'ai déjà dit. Une fois j'ai acheté un sac et dans le sac, eh bien, quand je l'ai ouvert à la maison, il y avait une grosse liasse de billets russes. Et il y avait beaucoup beaucoup d'argent. Et en fait j'avais une amie italienne qui s'occupait d'une petite russe et je lui ai donné, moi ça m'aurait fait 60€, 70€, pas plus. Mais elle, ça lui a fait carrément un salaire. Donc elle avait son salaire, donc elle était trop contente. Et j'ai trouvé, c'était enroulé, incroyable, dans le sac. Et du coup là, bah, je sais pas, peut-être, hein, on regardera tout à l'heure parce que j'ai pas regardé. Non mais là, comme je connais la personne au marché, il va poser impossible, je ne peux pas. Mais ouais, regardez, 10€. Alors, je suis allée à Zara, Zara, parce que figurez-vous que j'ai des chaussures orange et du coup je voulais acheter des choses orange. Cherchez pas, c'est la tête de thé. Voilà, et je l'ai eu à 7,99€. Alors, ok, il y en a qui vont dire, mais tu rentres pas dedans, Sibyl. Mais c'est élastique, c'est du jersey. Voilà, coton jersey, je crois. Voilà, elle est franchement bien avec un petit caleçon. Super. Donc, voilà, j'ai pris ça, 7,99€ chez Zara. Je suis allée chez Accessoiries, je sais pas si vous connaissez. J'ai eu ce petit sac pour 7,90€. Alors là, franchement, il est magnifique. Regardez. Il est superbe. Il a une petite poche intérieure. Bon, on va enlever ça. Il a une petite poche intérieure, comme ceci, qui est doublée. Franchement, c'est un beau petit sac. Et je l'ai eu que pour 7,90€. Voilà. Franchement, je le trouve trop mimé. Je sais pas ce que vous en pensez. Et... la reine des pommes. Ah oui, il est où le truc? J'ai acheté ceci à une autre boutique en solde. Je l'ai payé 1€, c'est pour mettre sur mon téléphone. C'est pas mal du tout. C'est un petit... c'est adhésif avec un petit crochet. C'est pour tenir le téléphone. Ensuite, après, je suis allée à côté de chez moi où j'avais acheté plein de robes. J'ai pensé à mon fils. Donc, je lui ai acheté celui-là. C'est de chez Célio. Je l'ai payé 15€ en solde. Voilà, et je vais acheter celui-ci qui est magnifique. Il est un peu extensif celui-là. Et celui-là, je lui ai payé 15, je l'ai payé 15€ aussi chez Célio. Alors, j'ai trouvé ceci 1€. La marque Bien-être. Et ça coûtait 4€. Ceci, d'ailleurs j'aurais pu le mettre aujourd'hui,
D'ailleurs, pourquoi ne pas le mettre aujourd'hui? C'est quoi, en fait? C'est des barrettes, mais... Bah, quoi? Oui, d'accord. Je suis une brise-fer. Je le sais, hein. Franchement, je le sais, hein. En plus, je suis capable de casser le truc. Voilà. Ça, je vous montre la barrette. Uno. Alors, je suis allée à Tati, parce que comme je vous ai dit que je voulais des trucs orange, j'ai trouvé ce petit haut à 3,99€. Trop mignon. Voilà, avec un petit jean et mes chaussures orange. Il faudrait que je vous les montre, les fameuses chaussures orange. Et pour finir, là. Alors là. Allez, mettez-moi en commentaire, à votre avis, quel est le thème que j'ai pris pour chez H&M. Alors ça, j'en avais acheté deux. Je les ai eus pour 7,50 les deux. 7,99 les deux. Ils sont super. Ceci, ce petit haut que j'ai payé 5,99€. Il est trop choupinou. J'aime bien. Alors, mettez-moi en commentaire. Allez, 1, 2, 3. Quel est l'imprimé ? S'il vous plaît, dites-moi quel est l'imprimé. Nous voilà repartis dans les accents. Parce que j'ai décidé de parler avec l'accent. L'accent de je sais pas quoi. Mais maintenant, je vais faire comme ça. Je vais parler avec un accent et vous allez deviner quel est l'accent. Sachant que moi, je ne le sais même pas. Essaye l'accent belge. Non, une fois. Et alors, il est quelle heure? Les frites, une fois. J'ai mangé des frites. Non, mais ça, c'est quoi? C'est pour l'accent africain, ça. Ah oui, je peux faire l'accent africain, ça. Je sais faire l'accent africain. Donc, du coup, l'imprimé, c'est... L'imprimé, c'est... Feuillage. Il est beau, hein. Franchement, regardez. Et vous vous rendez compte, au lieu de 12,99€, je l'ai payé 5,99€. L'autre, c'est pareil. Vous avez vu ça un peu? Il est magnifique. Et je me suis dit, Sybille, il te manque quelque chose. Eh ben oui, le body. Alors, le body, je l'ai eu à 4,99€. Regardez ça. Il est magnifique. C'est vraiment pour... C'est du coton, hein. C'est vraiment pour, comment dire, pour la saison 2019, été, quoi. Et, alors ça. On dirait mes rideaux, d'ailleurs. Ça, c'est du... Mais ça, il est magnifique, regardez. Il est splendide. Je l'ai essayé, il coûte 6,99€. Vous vous rendez compte? Voilà, franchement, mes petits achats du jour. Alors, mes chouchous, mes bubis, mes doudous, j'espère que ce haul vous a plu. C'est Alaine qui a filmé, qui a fait le... Comment on appelle ça? Caméraman? Voilà, j'ai un caméraman maintenant, vous vous rendez compte? Oh, Sybille. Mais tu te prends pour qui? Pour rien, je ne suis même pas une youtubeuse, je suis juste une personne qui partage et qui aime ce que je fais et qui veut partager avec vous les belles choses parce que je vous aime. Vous vous rendez compte, je suis en train de voir un truc avec un objectif comme ça, avec le micro là, avec la... mais c'est un truc de fou, hein. Mais j'ai même pas peur, mais vraiment même pas peur, hein. Voilà mes chouchous, mes bibis, mes doudous, sur ce, ben... Je vous fais des milliards de bisous. Je vous aime.